J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo organisation et rangement. J'avais pas envie de vous la mettre dans le vlog parce que je me suis dit les vlogs ils durent assez longtemps. Je pense qu'il y en a qui aiment bien, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas des vlogs de des weekly vlogs surtout d'une heure. Je me suis dit là ça va être une vidéo organisation, rangement. Enfin, on sait pas trop. On va essayer de trouver un rangement pour mon dressing parce que j'ai fait les soldes et j'ai acheté pas mal de choses qu'il faut que je rentre dedans. Mais là, à l'heure actuelle, ça ne rentre pas. Donc, il va falloir vous revoir l'organisation. Et je me suis dit, on va faire une vidéo comme ça, mais simple, sans trop de montage, un peu chill. Je vais vous montrer ce que l'envers du décor, ce qu'il y a actuellement. Et après, je vous montrerai peut-être au fur et à mesure certaines choses. Mais je ne vais pas tout filmer non plus. Le but est là, est de réorganiser et ranger correctement pour que je puisse m'y retrouver. Et surtout que tout rentre. Normalement, Romain doit m'acheter des paniers coulissants à Leroy Merlin, s'il y pense. Mais en attendant, on va essayer de trouver un rangement. Essayer de faire peut-être du tri, du rangement et voir ce qu'on peut faire. Alors, je vous montre. Je vous montre pas la partie à Romain. Voilà. En fait, en bas, je souhaiterais mettre ici et ici deux paniers de rangement, comme ceux que j'ai ici. À voir si Romain va me les prendre ou non. En bas, nous avons les pulls. Donc là, c'est les pulls et gilets épais avec de la laine et sans laine à côté. Parce qu'il y en avait trop, ça tenait trop de place. Là, nous avons ceinture, collants. Les collants, j'aimerais beaucoup les mettre en haut avec les chaussettes. Aux manches longues, aux manches courtes que je mets dessous. Et ça, ce sont des collants et leggings épais. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est chaussettes hautes, courtes, les culottes de nuit, de jour. Là, nous avons encore des chaussettes, des brassières, mais ça, je pense que je vais les mettre dans la salle de bain. Et là, nous avons tout ce qui est sous-vêtements, mais j'en mets quasi jamais. J'ai pris l'habitude de plus en mettre et c'est très compliqué de revenir. Ici, nous avons des vestes, des chemises, des t-shirts, chapeaux et cintres. Et là, nous avons un savon pour que ça sente bon et mon masque de relaxation pour les migraines. Ici, nous avons des pantalons un peu classe, noirs, jupe short. Ici, nous avons tous les survêtements. Ici, les pantalons qui étaient ici, mais bien sûr, il n'y a plus de place. Les bottes. Et j'ai deux nouvelles paires de bottes qui vont devoir rentrer. Là, tout là, ce sont des écharpes. Donc, on va aussi regarder. Et là, tout ce qui est manteau, robe et gilet. Et il y a aussi des jupes. Et tout en haut, ici, ce sont mes bottines. Voilà. Et là-bas, c'est à Romain. Donc, clairement, la partie de Romain, on s'en occupe pas. Il a fait du tri il n'y a pas très longtemps et il n'y a pas grand-chose à trier. Je pense que moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre tout ce qui est collant au niveau d'à côté de mes chaussettes. Comme ça, j'ai tout regroupé et je ne me prends pas la tête à faire, vous voyez. Je pense qu'on va faire ça. Et peut-être dans le tiroir où il y a mes t-shirts, enlever les rangements et mettre les t-shirts directement dans le tiroir. Ça peut être pas mal. Il faut que j'essaye de trouver une organisation. De toute façon, je commence mon rangement. Tout ça rentrer dans le dressing. Voilà! Bon, on se retrouve des semaines après que j'ai fait l'intro pour vous montrer mon dressing avant. Donc, je vous ai montré mon dressing avant parce qu'il y a eu du changement. J'ai rajouté des tiroirs. Désolée pour les bruits de fond. On est mercredi, il y a les filles. Donc, si vous entendez quelques petits trucs, c'est normal. On va essayer que ça soit le plus calme possible en fond. Mais là, même s'il y a eu des changements, que je me suis bien organisée, il faut que je le range correctement. Donc, je vous ai pris pour vous montrer ça. Et il faut que je trie parce que finalement j'y pensais cette nuit. Ah bon. Oui, j'ai des pensées la nuit qui ne servent à rien, vous allez me dire. Mais il y a plein de vêtements que je sais que j'ai là. J'ai une jupe aussi que je porte pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi je la garde. Je la garde parce que c'est une Morgane, je crois. Donc clairement, on va essayer de se débarrasser de ça. Clairement, il ne va pas avoir beaucoup, beaucoup de tri, je le sais. Mais je vais essayer d'enlever deux petits trucs. Et par contre, tout ce qui est manteau. Jusque là, on touche pas parce que les manteaux, il y en a peut-être juste un que je vais aller mener chez la grand-mère qui me garde mes manteaux parce qu'elle a une chambre qu'elle ne se sert pas, donc c'est chez elle que je stocke mes manteaux du coup l'été quand il fait beau, ça sera chez elle. Mais il y en a un que je mets pas mais que je sais que je pourrais remettre parce qu'il est basique, il est noir, donc celui-là je ne vais pas m'en débarrasser. Et à partir d'ici, on a grosse veste Levi's, vous savez, avec la
Moutmout, mais ça, je la mets vraiment en mi-saison parce que là, je peux pas mettre de manteau par-dessus. Et là, après, on a tout ce qui est gilet et robe. Donc, en gilet, je vais quand même vous montrer quelques trucs. J'ai deux gilets comme ceci, mais pas du tout les mêmes mailles. On peut le voir, et pas la même longueur. Donc, je garde. J'ai quatre suites comme ceci. J'en ai deux noirs, un beige et un camel. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, je garde aussi. J'ai cette robe qui doit avoir 10 ans. Je la mets pas souvent, mais je l'aime bien. Donc, je la garde. Je pense que je vais pouvoir la mettre au printemps avec un gros gilet ou quoi, vous voyez. Elle est super sympa. Après, j'ai des robes pull. Des robes. Alors, celle-ci, c'est une taille S. Je l'ai rachetée en M. Donc, celle-là, je peux l'enlever. Je ne sais pas si je la vends. Je vais voir ou si je la garde au cas où. Donc, on verra. Là, j'ai des gilets, encore robe, gilet, robe, sweat. J'ai celui-là de sweat. Je l'aime bien, mais elle est trop longue. Donc, je vais la réessayer. Elle vient de chez Kiabi. En fait, j'ai voulu prendre du M et il m'aurait fallu du S. Parce que du coup, elle est beaucoup trop longue. Elle m'arrive sous les genoux. Et je trouve que c'est pas la bonne coupe pour des personnes pas trop grandes. Donc, je vais voir. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mise. Là, c'est quoi? C'est deux robes noires. Ça, j'ai celle-là que j'ai depuis très longtemps de veste. Moi, je l'aime beaucoup, mais je la mets pas en ce moment. Mais je sais que je pourrais la remettre. Donc ça, je garde. J'ai ce gilet aussi kaki avec marqué Rock. C'est pas un gilet que je mets tout le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, maintenant, j'aime les gilets ou très longs ou je sais pas. On va mettre là. De toute façon, tout ce que je sais pas, je vais les essayer juste après. Alors là, nous avons les robes vertes. J'en ai trois. Je vous ai pas montré toutes mes robes parce que clairement, ça c'est quoi? Ah, j'ai acheté ce pantalon, c'est vrai. J'ai acheté un pantalon récemment, il est là. Alors, attendez, on va enlever les cintres vides. Comme ça, satiné. Je vais pouvoir le mettre, je suis bête. Et ça, c'est tous mes fonds de robe. Bon, il y en a une, c'est pas un fond de robe, c'est une chemise de nuit que je me sers en fond de robe. Voilà, petit conseil, si vous n'avez pas de fond de robe, vous prenez une sorte de nuisette et vous pouvez les mettre dessous. Moi, je fais ça. Donc, j'ai trois robes. Donc, celle-là, bien sûr que je ne me sépare pas. Je l'ai achetée en septembre, je crois. Elles, il faut que je les réessaye. Je les avais achetées sur Vinted. C'est toutes les deux des Zara, je crois. Alors elle, l'élastique ne fonctionne plus. Voilà. Et elle, je crois qu'elle n'est pas à la bonne longueur. Donc je vais essayer et en fonction... Enfin, pas à la bonne longueur. Moi, j'aime ou long, très long ou court. Vous voyez, celle mi-mollet ou au-dessus du mollet, je trouve que ça ne me va pas. Donc je vais réessayer. De toute façon, je ne les ai jamais mises. Donc là, je vais faire rangement par couleur correct. Et après, on passe là. Franchement, je me languis trop le printemps, été, d'enlever tous mes manteaux qui me tiennent une place folle. Faudrait que je trouve un autre système ou un autre rangement pour les mettre dans la maison. Donc là, c'est tout ce qui est blazer, veste courte. Là, il y a des pulls sans manches, chemise, t-shirt. Mais pas tous les t-shirts parce que j'en ai une grosse partie dans l'été. Ça aussi, on va se régaler quand on va faire le changement de saison. Parce qu'il y a plein de trucs, je pense que... Hop. Ça va dégager. Et comme j'ai repéré plein de trucs sur Vinted, j'ai déjà commandé 3 articles sur Vinted, mais j'ai mis plein de trucs dans ma wishlist, je veux vendre pour acheter. Donc du coup voilà. Donc, niveau chemise Levi's, donc clairement ces deux, je les mets pas souvent, mais vraiment pas, mais je pense que je vais les garder parce que comme elles me vont très très loose, Romain peut les porter aussi. Donc on va les garder pour que si Romain est invité ou quoi, il puisse les mettre. Bon après j'ai des perfectos, j'en ai deux. Un à frange, un basique. J'en ai un autre à frange. Comme ceci que j'aime trop. J'aime trop mais je le mets jamais. Mais je l'aime trop par contre. Mais en fait je veux pas l'abîmer. Parce que c'est vraiment le style que j'aime le plus au monde, les franges. Et après j'en ai encore deux Sherpa Levi's. Ouais j'aime bien les vis. Ça, c'est tous mes blazers. Donc, les blazers, clairement, je garde tout.
Lui, non. Je vais m'en séparer. Je le mets pas. Il est trop court. En fait, j'aurais aimé un truc comme ça, mais long. Hop. Au moins, ça enlève un truc. Vous me direz. Hop, hop, hop. Je l'ai en vert. Et je le préfère en vert. Parce qu'il est long. Il est plus large. Je sais pas. Donc, celui-là, je le garde, par contre. Là, au niveau des blancs, on va essayer de... Vous savez quoi? Ces deux, je vais les mettre chez Romain. Il va râler parce que je lui prends de la place. Voilà, et comme excuse, on lui dira qu'on lui donne. Comme ça, je gagne un petit peu. Parce que là, j'ai un blazer aussi qui habille et j'ai un blazer noir. Mais c'est pas du tout la même coupe et la même texture. Donc, du coup, je garde les deux. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Il faudrait que je pousse les murs pour agrandir le dressing, mais il me l'a déjà agrandi. Donc. Voilà, donc là j'ai Vance, Rosa Badoul, ça je mets pas. Alors ça, faut que je l'essaye. Alors, j'ai une petite lubie pour les chemises rouges et j'ai commandé celle-ci en plus grand parce que celle-là elle me sert. Donc celle-là c'est sûr qu'elle part. J'ai celle-ci et celle-ci. Celle-ci est courte, celle-ci est longue. C'est pas le même carreau. Par contre, j'adore la matière de celle-ci. Par contre, celle-là, elle est plus épaisse. Mais ça fait un style, vous voyez. Donc, ces deux, je les garde. Et je... celle-là, par contre, elle sera sûrement vintage. Parce que je l'ai commandée en XL. Et celle-ci, c'est du M. Mais moi, j'aime bien loose, vous le savez. Ça, j'aime bien. Bon, ça, c'est toutes mes gaz de coton. Tout ce qui est en gaz de coton, je garde. Ah, j'ai celle-là aussi, c'est vrai. J'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, quand on a trop d'habits. Celle-ci, il faut que je la réessaye parce que je ne sais pas. J'ai eu ma passion carreau, j'adore toujours les carreaux. J'adore le léopard, les carreaux. Un motif le plus, hein, et fleuri pour tout ce qui est robe. Donc voilà quoi. Et là, celle-là, je sais de quelle taille. Ça, ça va, c'est 40. C'est un peu large. Pas large. 60. Ça, c'est tout ce qui est blanc, 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 blanc. Je vais me séparer de celle-ci. Mais une abonnée est intéressée. Donc, je vais la contacter pour lui dire que je la vends. Hop là. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de chemises blanches? Donc j'en ai une très très loose. Alors celle-là je l'adore. J'en ai une only qui est assez courte mais la matière super. J'en ai une avec des cœurs. J'en ai une épaisse. J'en ai une plus fine. J'en ai une en gaze de coton. Et j'en ai une en lin. Ça vous savez que quand arrivent les beaux jours, je mets quasi des chemises tous les jours. Hop. Hop là. Je voulais un t-shirt de Queen et j'ai voulu prendre celui-ci, mais il est trop simple, il me plaît pas. Hop, ça c'est un body, ça non, ça le garde, ça le garde, ça le garde. Lui aussi, je sais pas, il faut que je l'essaye, mais il est comment on dit? Tie and dye, mais trop clair, je trouve. Je sais pas, je vais l'essayer. Ça, c'est bon. Ça... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, c'est des petits mots. Ok. Bon, si on enlève tout ce que j'ai mis là, déjà, ça respirerait un peu. Est-ce que ça va être le cas? Ça, c'est autre chose. Dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est sous-vêtements. Donc, clairement, tout ça, ben, je vais garder. Par contre, celui-là, juste en dessous, c'est les petits hauts. Je pense que là, vous voyez quand même pas trop trop mal. Là, j'ai tout ce qui est petits hauts. Donc ça, je garde tout. J'ai les petits hauts noirs aussi. Ça, c'est les basiques. Là, j'ai les trucs un peu col roulé. Peut-être lui.
pas sûre de le garder celui-là. C'est une quelle taille? Je sais pas, parce que s'il fait froid, c'est un col roulé quand même. Bon, on va le garder. Si je mets pas... voilà. Du coup, j'ai déplié, je sais plus comment c'était. On va refaire comme il faut. Maniaque, tu connais. Tac. Ça devait faire un truc un peu dans le genre. Ok. Voilà, j'ai des caches-oreilles. Là, c'est tout ce qui est un peu ceinture pour mes pantalons et mes crops. Et là, c'est tout ce qui est chaussettes hautes et collants polaires. Là, j'ai toutes mes ceintures, donc ça, on ne touchera pas, clairement. Je ne vous montre pas le bas parce que c'est vraiment pas pratique au niveau du cadrage. Mais je vais vous montrer. Au niveau des jupes, j'ai enlevé celle-ci. Qui est une Morgane que je vous dis que je garde depuis des années, que je ne mets pas. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai celle-ci que j'hésite, que je vais essayer. Parce que j'aime bien le motif écossais comme ça. Mais c'est la matière, je sais pas. C'est vachement épais, vous savez. C'est comme de la flanelle. Donc, à voir. Ensuite, niveau pull, que je suis pas sûre de garder, il y a celui-ci. Je sais pas. Je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai mis peut-être une fois. C'est un gilet mango qui est super épais et tout. Je vais l'essayer parce que, voilà. Lui, alors je l'adore. Mais il me gratte. Même à le toucher comme ça, c'est insupportable. Donc, celui-là, c'est sûr que je vais m'en débarrasser. Je suis dégoûtée. Il est neuf. Je l'ai mis une fois, il est magnifique. Mais je ne le supporte pas, ça me gratte trop. Donc je ne peux pas garder ça. Et un gilet que j'hésite, il y a celui-ci. Qui est sympa, mais que je ne mets pas non plus. Donc je vais les réessayer. Il y a beaucoup de choses à essayer finalement. Au niveau des jeans, j'ai rien enlevé. Parce que j'en ai enlevé la dernière fois des caporales. Ils sont dans le cellier. Je crois que j'en ai deux à prendre en photo. Et je vais juste regarder les pantalons. Pantalons, j'enlèverai pas parce que j'ai un peu tout. Vous savez, j'ai les guines, un pantalon un peu plus classe. Mais j'attends les beaux jours pour les mettre. Parce que avec les bottes, c'est pas forcément très très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout essayer. Et je vous montre la conclusion de ce que je me débarrasse. Et après, je vous montrerai le après. Je vais tout ranger, tout nettoyer. En haut, j'ai les bottes à re-ranger, voir s'il y a du tri. J'ai aussi le tiroir à baskets qu'on fera ensemble. Et on fera les bijoux, parce que je pense que peut-être il y a quelques petits trucs à enlever. Je vais regarder avec vous. Et comme ça, après, je mets tout sur Vinted dans les jours à venir. Et comme ça, si vous êtes intéressés, foncez. On avance bien. Voilà tout ce que je ne garde pas. Il y a quand même pas mal de choses. J'ai remis juste la chemise marron, la chemise blanche et noire. En cintre. Et tout le reste, j'ai laissé comme ceci. Si vous voulez voir, je vous mets mon Vinted. Maintenant, on va passer aux baskets. Alors, attendez. Oh, j'aimerais trouver un système pour pouvoir mettre mes chaussures d'été ailleurs. J'avais pensé à prendre des boîtes en bambou qui se ferment avec un couvercle. Je vais voir si j'arrive à en trouver. J'en avais vu chez B&M. Donc, affaire à suivre. Là, déjà, on va tout enlever, nettoyer. Et re-ranger correctement. Bon, il y a Johanna qui va m'aider à enlever toutes les chaussures. Donc Jo, tu mets voilà, les mêmes à côté et mets-les un peu plus loin. Tu n'auras jamais assez de place. Je vous montrerai les chaussures quand on les remet. Ça sera plus simple. Je vais vous prendre face cam et je vous montrerai le résultat après. Donc, on a passé la spi et tout, hein, je vous passe les détails. Donc ça, ce sont des Tamaris à plateforme que j'ai depuis au moins 3-4 ans et elles commencent vraiment à s'abîmer. Mais je les ai portées. C'est un confort exceptionnel. Donc pour le moment, je vais mettre les chaussures d'été au fond, comme c'était prévu. Et si j'arrive à enlever des chaussures, tant mieux. Sinon, je trouverai un nouveau rangement. Ensuite, on va faire l'été d'abord, Jo. Il y a Johanna qui m'aide. Tamaris, toujours. Compensé, kaki. Je les ai depuis un an, je crois. Un an ou deux. Très confortable. Également, vous allez voir, il y a beaucoup de Tamaris. C'est comme mes bottes, ça. Et mes bottines, mes bottes, je ne vais pas tout vous montrer. Là, je vous montre parce qu'il n'y en a pas non plus des tonnes. Si vous voulez vraiment tout voir, vous me direz. Là, c'est quoi? C'est Tamaris aussi. Tamaris, encore et toujours. Des dorés que j'ai acheté, je crois, il y a 2 ans. C'est un confort. Ou l'année dernière, cela. Un confort. Elles sont en noir. Je pense que je vais acheter les noirs.
Ah ben ceux-là, elles sont neuves. Je ne les ai pas encore portées. Ce sont des pépés jeans, je les ai achetés l'année dernière. Donc cette année, il faut les porter. Ensuite, chez Tamaris toujours, j'ai des mules camel. Voilà, alors ça c'est très très beau. Mais par contre, il n'y a pas de maintien derrière, donc je les perds un petit peu. Mais elles sont très très belles. On va finir avec ceux-là et après on rangera. Encore deux paires de Tamaris, ce sont les mêmes. C'est un peu les dupes des Hermès, on va dire, en beaucoup moins cher. Voilà, et très 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 confortable, parce que je crois que les Hermès sont pas du tout confortables. Donc celles-ci, elles sont super. Je les avais payées, je crois, une vingtaine d'euros sur Zalando privé. De toute façon, toutes mes Tamaris viennent de Zalando ou Zalando privé. Donc je les trouve toujours à des prix très 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 intéressants. Bon, la luminosité, il y a peut-être un petit peu plus de soleil, mais j'ai ouvert le rideau. Et pour finir, en chaussures d'été, j'ai des Sorel noires. Alors celles-ci, si vous les trouvez sur Vinted ou n'importe quelle couleur, foncez. Un confort, on ne pourrait pas croire. Confortable et trop stylé. Moi, j'adore. Je les ai depuis au moins 3 ans, je pense. Et elles n'ont pas bougé. Vraiment. Bon, là, elles sont sales. Elles sont poussiéreuses parce qu'elles sont dans le tiroir. Mais je veux dire, elles n'ont pas bougé. Sorel, c'est une marque très, très bien. Je vous conseille fortement. Puis, on passe aux baskets Nike. J'en ai 4 paires avec les Air Force. Donc, du coup, nous avons celle-ci. C'est les 200. Air Max 200, un confort les gars, je les ai pris à Nike Factory, c'est vraiment les baskets les plus confortables que j'ai je crois de mon, j'allais dire de mon dressing, mais voilà, de mon placard. Bon, la couleur peut pas plaire à tout le monde, j'ai les mêmes de cette couleur là que je mets beaucoup moins par contre, je pense que je vais garder celle-ci peut-être pour la marche et tout, parce qu'elles sont très confortables, et essayer de mettre elles, si je vois que dans quelques mois je les ai pas mises, mais je les vendrai. Donc restez connectés au cas où qu'elles vous plaisent. Elles sont très très belles. Ensuite, en Nike, j'ai les... comme ça. Les 270. Je les mets pas. Je trouve que ça fait... je sais pas. Un peu racaille. Désolée du terme, mais... Je sais pas. Je sais pas même pas pourquoi je les ai achetées. C'est des chaussures qui coûtent 160 euros. Moi, je les ai payées 60. Mais ouais. Elles sont confortables, donc je me dis, est-ce que les garder pour marcher aussi? Parce que j'aurais aimé avoir une paire pour aller marcher les week-ends en famille, mais autant je prendrais elles pour les rentabiliser un peu. Mais ouais, ça fait un peu, je sais pas, les filles en survêt, vous savez. Je trouve pas que ça fasse très très classe, quoi. Mais bon, je les ai achetées. Ah non, mais j'ai encore une paire! Celles-là sont trop belles. Elles sont trop trop belles. Je ne les mets pas souvent parce que là c'est du thé. Mais elles sont magnifiques. Ça, ce sont des Air Max Tex. Ceux-là au beau jour, je les mets. Elles sont trop trop belles. Du coup, je vais décaler les Nike pour les mettre au bord. Pour que ça soit plus facile pour moi aussi de les choper. Quand je veux prendre mes chaussures. Et pour finir en Nike, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires de Nike. Je pense que je pourrais faire le magasin courir chez moi. J'ai les Air Force. Mais bon, les Air Force, je crois que tout le monde les connaît. Hein. Il n'y a même plus besoin de les présenter. Je viens de vraiment les mettre depuis cette année. Parce que il fallait que je les fasse et qu'elles me faisaient hyper mal aux pieds. On passe aux Vans. Alors Vans, c'est pareil. J'ai plusieurs paires. Donc vous allez voir, j'ai Old School à plateforme noire basique. Les plus basiques possibles. Confort. Ouais, vous savez, moi c'est Vans. Hein. Il y a la team Converse et la team Vans. Et moi, c'est Vans. Donc celle-ci, je sais même plus comment les ranger à force. Dans celle-là, après, Juana, passe-moi les courtes. Les montantes, on les montrera après. J'ai les Old School en cuir. Les lacets, je les aime trop. Avec marqué Vans. Voilà, je les ai pratiquement pas mises parce que la lanière en cuir me tue le pied. Mais elles sont magnifiques. Hop. Après, en Vans, j'ai les rouges en Old School. Moi, je les prends sur Zalando. À part les plateformes du les premières, je les avais pris en magasin. Mais sinon, je les ai toutes payées en réduction sur Zalando. Ensuite, en Vans, nous avons celle-ci. C'était pour la journée de la femme. Je les ai prises aussi sur Zalando. J'avais décidément. Je les ai prises aussi sur Zalando. Voilà. Donc, vous avez les pieds. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Elles sont jolies, bon, on va voir si je les garde dans le temps. C'est pas mes préférées en Vans, pas du tout. Tiens, Juana, tu me les mets s'il te plaît à la suite, comme ça, voilà. Et celle-là, tu la mets dans l'autre sens. Tu peux me passer les autres maintenant de Vans. Attends, je vais montrer cela. Bon, mais mes préfs de tous les temps.
Voilà, c'est cela. Si je devais garder qu'une paire de Vans, ce serait cela. Mais elles sont dans un état. Je pense que dans peut-être l'année prochaine, j'en rachèterai une paire. Parce que c'est mes préférées en Vans. J'ai les mêmes en noir que je porte beaucoup moins. Je préfère celle-ci. Donc cela, vu que c'est mes préférées, on les met devant. Cette année, j'avais... Enfin, cette année. Du coup, début d'hiver, j'ai pris celle-ci à plateforme, à carreaux. Mais ce n'est pas le même damier. Là, on n'est plus sur du beige et là, on n'est plus sur du blanc. Comment se justifier? Mais cela... Donc, ceux-là, on va les mettre là en attendant. Ensuite, en Vans, j'ai aussi celle-ci, mon tante. Mais celles-ci ne sont pas à plateforme, ça se voit. Et celles-ci, je les ai pris aussi sur Zalando. Mais vous savez, ma passion pour Zalando. Bon, celle-ci que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, les Converse à plateforme. Je me languis qu'ils fassent plus beau, enfin meilleur pour les mettre. Parce que moi, vous savez que quand il fait froid, je mets que des bottes. Mais trop belles, en plus trop originales. Je les ai vues sur personne, donc ça... Ça m'arrange aussi, niveau mode. Après, je cherche parce que j'ai trop de paires encore autour. J'ai celle-ci, des fausses Golden Goose, fausses SMR, que j'avais pris sur Vinted à un vendeur qui était un amour. Il n'avait pas mis sa taille, il les a cherchées pour moi et il me les a vendues. Une trentaine d'euros, je les ai payées. Et vous en avez plein de ce genre de modèle. Et j'ai ceux-là. Du coup, chez lui, je lui avais pris quelques mois auparavant celle-ci. Toutes dorées, je les aime trop, trop, trop. Le seul bémol, c'est que comme c'est pas de la qualité extrême, ça se décolle ici. Mais ça, un petit point de colle glue. Clairement, si elles ne durent pas dans le temps, je les ai payées 30 euros. Donc, quoi que je dis ça, mais les Vans rouges, je crois que je les ai payées 30 euros. Et c'est des Vans. Heureusement qu'il y a Juju qui m'aide. Ensuite, bon, yeah. Chess, tu veux t'entraîner sur un lacet? Il y a celle-ci, donc là c'est par contre c'est des SMR. Voilà, donc ça c'est designé en Italie apparemment. Ok, léopard, passion léopard. Je les mets pas tout le temps parce qu'elles font extrêmement mal aux pieds à ce niveau-là. Mais elles sont très très belles. Clairement je n'ai même pas besoin d'acheter de chaussures, je ne sais pas pourquoi j'en rachète. Peut-être pas de la passion vous voyez, mais clairement j'en ai pas besoin. Vous savez que j'aurais pas assez de place pour tout ranger. Ensuite, encore niveau basket, je les ai mises il n'y a pas très très longtemps. Les New Balance. New Balance, j'ai deux paires. Alors, je vous ai pas montré. J'ai celle-ci que j'ai achetée récemment, qui sont confortables de fou. Trop trop belles. Plus couleurs qui vont avec tout. Et j'ai celles-ci qui sont un peu plus originales. Voilà, mais qui sont trop trop belles. Moi, je mets ça avec un boyfriend et une chemise très très longue et pépite. Donc, je sais pas où je vais les mettre. Il faut que je trouve... Ah, mais je vais pouvoir les mettre là. Ouais, là, c'est un peu délicat pour ranger. Ensuite, niveau basket à talons, à plateforme à l'intérieur. Mais moi, j'ai enlevé la plateforme et j'ai mis une semelle orthopédique parce que j'avais trop mal aux pieds sinon. Des Louis Jo. Donc, Louis Jo, c'est pas donné. Hein. Je les avais pris sur Vinted, celles-ci, en très, très bon état. Elles sont magnifiques. Regardez les détails. Moi qui aime les franges. Bien sûr, comme elles sont au fond du tiroir, je n'y pense pas. Donc, Johanna, tu peux me les mettre à côté du lit. Je vais les mettre avec mes bottes. Parce qu'on peut les considérer comme bottines. Johanna veut que je vous montre les mocassins. Que j'ai jamais mis, mais que j'attends qu'ils fassent beau pour les mettre. Mes Tamaris. C'est un style. Voilà. Mais je les trouve très, très belles. Alors, attendez. Parce que j'ai des poils partout. Pépites. Je ne sais pas où on va les mettre. Je crois qu'on va les mettre... Ouais, mais je crois qu'on va les mettre avec les bottes, devant les bottes, là-bas. Je remets les là-bas, on verra bien. Ensuite, niveau chaussures un peu cowboy, j'ai celles-ci qui sont vraiment trop belles. Par contre, j'ai un problème avec ce truc-là. Il ne tient pas dans une des deux chaussures, il faut que je le resserre. Parce que sinon, je ne peux pas les mettre, mais je les trouve trop trop belles. Je les trouve vraiment originales, je les avais trouvées sur Vinted. C'est des New Look. Voilà, je pense que vous pouvez les retrouver. Donc ça, avec un pantalon très très large, vous mettez ça. Pépite. Et pour finir, j'ai les chaussures que j'avais achetées il n'y a pas très longtemps de chez Tamaris que je garde pour le printemps. Printemps, je pense plutôt que été. Mais voilà, j'aime beaucoup trop. J'aimerais bien en prendre une autre paire. Je les trouve trop petites. Ça, pareil, avec des pantalons boyfriend ou que sais-je. Ça sent trop stylé. Et en plus, Tamaris, vous savez, ma passion. Je n'ai plus de place. Super. Je pense que pour que tout rentre, il faut que j'enlève. Je vais enlever celle à frange, donc ça va me faire gagner place. Mais je pense qu'on va arrêter d'acheter des chaussures. Il faut que je me le dise réellement. Arrête d'acheter des chaussures.
J'aimerais juste des chaussures peut-être pour cet été. Parce que j'aimerais bien une paire de colorés un peu rose ou un petit rose pétard. J'aimerais bien avoir. Le résultat final. Voilà, donc j'ai dû en mettre à l'envers là parce que l'une sur l'autre, sinon je n'ai plus de place. Voilà, c'est beaucoup trop clairement. Je ne sais même pas combien j'ai de paires, j'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Là, j'ai 29 paires, plus 2 qui sont là-bas. Je vais essayer de mettre les mocassins quand même ici. Et je suis trop contente, ça fait ça de fait. Ben, niveau bijoux, c'est pas conclu, hein. J'ai enlevé une paire comme ceci et une paire comme ceci. Celle-ci, je les garde pour les colis Vinted, etc. Et celle-là, je verrai si je les vends ou si je vous les mets dans le lot du concours. Du coup, ceux-là, c'est à ma mère, il faut que j'y rentre. J'y l'avais. Là, j'ai pas fait de tri dans les colliers, les bagues non plus, parce que c'est ce que je mets le plus. Donc voilà le rangement bijoux. J'ai une petite boîte aussi ici. Et j'en ai un petit peu ici, mais c'est pas ce que je préfère. Et j'ai oublié, j'ai une autre boîte qui est ici. Hop là. Donc là, c'est les bagues en argent. Là, j'ai les bijoux des filles et quelques boucles. Et là, j'ai tous mes bracelets en acier et en argent. Et que je vais vous montrer quand même le rangement. Donc clairement, vous avez vu pour tout ce qui est ici. Là, je vais me rapprocher. Là, il n'y a pas de changement. Là, c'est la partie à Romain, donc on s'en fiche. Ma partie sous-vêtements, etc. Ma partie, voilà, avec toutes mes ceintures ici. Là, nous avons tout ce qui est un petit peu matière, pull, laine, etc. Et j'en ai deux, j'ai celui-ci aussi. En bas, parce que nous avons rajouté deux tiroirs, les fameux. Là, j'ai mis tous mes jeans et mes pantalons jeans noirs. Et en bas ici, c'est tous mes pantalons simili de costume, on va dire, et leggings. Dans celui-ci, nous avons tout ce qui est jupe, jupe short et short. Et ici, nous avons tout ce qui est survêt. Niveau dessous les robes, nous avons les bottes. Alors attendez, parce que là, c'est tellement long. Les bottes Santiago, là, j'ai mis celle à frange. Toutes mes bottes hautes. Et dans ce petit meuble, comme vous avez, c'est tout ce qui est écharpe. Voilà, c'est toutes mes vestes. Et en haut, nous avons tout ce qui est cuissarde en premier et après tout ce qui est bottine. Il y en a derrière. Et là, nous avons celles qui sont à vendre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Rangement, tri, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted et Insta. Je mets prochainement tous les articles à vendre.